Kira trying to dodge a nine or a heart. Oh! It's a nine on the river. Boum, les amis, et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un top 5 brutal, un top 5 fatal, you, avec eh bien, des éliminations en veux-tu, en voilà. Oui, le petit titre en anglais qui vous disait parfois, ça peut être très compliqué quand vous sautez, même si sauter de base hein, ne fait jamais plaisir, mais de temps en temps, ça peut être plus ou moins brutal. Allez, alors, on va pour Karlik. Contre Dominik Pańka, bien sûr, le génie polonais qu'on voit ici à l'image. Donc, il avait trouvé Asdab Suité, qui avait relancé au hijack. Garlic, Karlik plutôt, c'est pas de l'ail. As-Roi, lui aussi Suité, l'Autrichien qui est parti au 3-bet. Tapis de Pańka, call. Et Dominik Pańka qui va se retrouver dominé. Ouais, il peut lui laisser quand même un arrière-goût dans la bouche. Hein. Karlik là, à Pańka, Pańka qui couvre quand même l'Autrichien. Donc il ne sera pas éliminé quoi qu'il arrive. Karlik. Sourire chez Karlik. Trop, you, hein, on le connaît normalement. Prendre un petit peu plus de distance, de respect avec un abattage. Quand les cartes apparaissent comme ça sur le tapis. Ouais, vous l'avez compris, là, tout le monde a pris 5G dans la tronche, particulièrement Karlik. Oh, et on revient là maintenant, back in the days. S'il vous plaît, on était à l'EPT Barcelone sur la première main, ici on est à l'APPT Macao. Ouais, l'APPT Macao avec Assadourian, hein, le joueur australien, le local. Il joue très belle main là, As-Roi, il y a Steike. Le joueur High Stakes de la PPT, joueur débutant mais qui a fait fortune en Asie. Derrière deux rois pour Juanda, on est au bonheur, on pousse tout. Assadourian fait tapis à son tour et normalement Steike qui devrait passer. Ouais, ça passe. On a mis un petit peu de temps. Deux rois contre As-Roi. Toujours plaisir. Qui a déjà été mangé par Steike. En plus, exact, correct. Toujours plaisir de revoir ces images hein, de ce poker, ce 2010. Steike qui a annoncé hein, qu'il avait foldé un as. Ce qui donne un petit peu le sourire à John Juanda. Bon, plutôt bon pour l'Indonésien. On peut faire backdoor carreau aussi. Assadourian. Ah ou 6-6. 6-6, bien joué, mais tu les aimes ceux-là. Ouais, bon. Pour faire carré de 6, kicker as, hein, les amis. Si vous vous demandez voilà, les possibilités pour Assadourian qui joue quand même encore 14%, hein, attention. C'est qu'il reste quand même une chance sur 6. 5 de trèfle, malheureusement, va lui enlever toutes ses possibilités-là. On va jouer maintenant un as et seulement un as. Est-ce que vous avez un as de pique, les amis? Est-ce que vous avez un as de pique? C'est ce que demande justement Assadourian. Allez, l'as de pique. Je m'excuse déjà en avance. La plus belle carte du paquet, l'as de pique. Le magicien d'Oz. Allez, attention, ça risque de crier. Apparemment, on est du côté du PCA 2012, cette fois-ci pour cette main numéro 3 dans ce classement qui fait mal. Mais on en a tous connu, hein, bien sûr, des éliminations. Quel que soit l'enjeu, mon You, on n'est jamais heureux. Et là, on va retrouver Dibela. Oui, le joueur amateur, John Dibela, UTG, dans son épopée. Au PCA, on retrouve Xuan Liu, la canadienne, l'une de mes joueuses préférées, qui avait aussi
cette même année-là, avait fait table finale à San Remo. Ouais, une manicure, ma foi, de folie spéciale Paluche. Paluche étant la petite caméra hein, qui se trouvait devant vous. Aujourd'hui, on utilise plus ce procédé. On est plutôt sur des cartes RFID. Mais à l'époque, il y avait la petite caméra pour montrer des cartes. Oh, Benny, quand la musique est bonne. Oh oui, ouais. Alors, c'est pas Jean-Jacques, mais... chez Goldman, l'Américain. Ouais. Entre gris clair et gris foncé. Ouais. Encore un matin. Et Bernstein avec 2-5. Bon, qui fait un petit peu d'acting là, parce que bon, raise, tapis, 2-5, ça fait plus grand-chose. Oh, oui. Ruben Visser, les amis le néerlandais. Excellent joueur qui vient de trouver 2-10. Ouais, il est marrant de cette main. Vainqueur d'un EPT, Ruben Visser. Il n'y a que des pockets, hein. Vous l'avez vu, paire de 9, paire de rois, paire de 5, paire de 10. Ouais, Dibella qui couvre, qui la espère fortement jouer contre As-Roi, contre As-Dame. Allez, c'est collé. Goldman qui ne vit pas là sa vie par procuration, Benny. Non, complètement. Il la vit lui-même. Ouais. 6-4-3. Les piques sont contrôlés par Goldman en plus. Donc là, vraiment que le 9 pour sauver Dybala. Il n'y a pas de possibilité de quinte ou alors des quintes pour splitter. Le valet de carreau. Petit sourire chez Goldman. Oh, et le 9. Ouais, c'est... Et maintenant, Goldman marche seul. Si tu me permets l'expression. Allez, Vanessa Sebs. Dans un coup. Ouais, la relance de la meilleure joueuse américaine. Avec paire de 4. Si je ne dis pas de bêtises, Benny, on est à Berlin, non? T'es tout bon, You. Berlin 2012. GeoGuessr, mais au poker pour You. Berlin 2012, saison 8 de l'EPT. On y était avec on est déjà dans l'argent. Et Kevin McPhee, Vanessa Selbst ont une petite histoire assez rigolote. Ils sont ils se côtoient énormément hors des tables parce que McPhee il a quand même un petit look de catcher là. Est le petit ami de Liv Boré quand Vanessa Selbst est l'une des meilleures amies de Liv. Et on voit justement Liv Boré. Super Liv. Alors, donc, la relance de Selbst a été sur-relancée par McPhee au bouton avec As-9 offsuit. McPhee qui est couvert par Vanessa. Vanessa a décidé de 4-bet et c'est instantanément 5-bet par McPhee. Il a décidé d'aller au bout de cette main, ou en tout cas lui montrer à Vanessa qu'il est capable d'y aller. Ouais, combien il te reste? This is absolute insanity with these two hands. Et Andrew Chen à cette table. Et Vanessa est capable, elle est capable de tout mettre. Peut-être la meilleure main en plus, se dit McPhee. Capable de battre des rois X, des dames X. Il y croit pas. Ah, il connaît la réputation hein, de Vanessa. Ah, il connaît plus que sa réputation. Il connaît aussi, je pense, ouais, assez souvent son thinking process. Hein. Ouais. Ouais, s'ils jouent beaucoup ensemble. Maintenant, se dire qu'elle est casse-neuf, on est devant, c'est quand même vraiment sur des profils très particuliers. Hein. Uniquement comme des profils comme Vanessa Sebs. As-9 off, c'est quand même pas une main de folie. Ouais, sur un pot qui... Vanessa contre McPhee, en plus. C'est profil contre profil, là même. Après, peut-être pas ça contre n'importe qui. Ouais, mon plan c'était de snap. Je crois que je dois le faire. Allez, je call un petit peu façon cinéma. Quoi, t'as As-9?
Elle est dégoûtée de jouer un coin flip contre cette main. Ouais. Ouais, c'est un snap fold, ouais. C'est ce qu'elle lui dit. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, si elle remporte le coup, elle s'en souviendra plus, hein, mais... Très affecté. Ouais, là, ça va bipper, les amis. Baisser peut-être un tout petit peu le son du casque. Ouais, c'est clair. Et bravo, hop. C'est de se conjurer un petit peu, de se contre-jinxer. Allez, et que Ré Vanessa Sebs. Et on l'a vu hein, plus d'une fois, Yo, avoir la dent dure hein, quand elle se fait éliminer ou quand elle prend des, entre guillemets, des bad beats ou des plays qui n'auraient pas dû avoir lieu comme celui-ci. Pour être jamais McPhee aurait dû call avec As-9. Ouais, elle est en train de le dire, t'inquiète, t'as bien joué. Ce qui en français est un petit peu la traduction de c'est gagné, c'est bien joué. Elle va aller se plaindre directement à Liv, c'est génial. Ton mec est juste un gros fiche, je te le dis. Voilà, c'est nul. Bon, à noter qu'elle n'a pas été éliminée sur ce coup-là, hein, je crois, Yuan. Non, ouais. Mais elle a quand même essayé d'enlever ouais. Son micro. Bon, même s'ils ont appelé ça le top 5 des brutales éliminations. Allez, la main qui est donc numéro 1 de ce classement. On va se retrouver sur un UKIPT. On aime quand on va sur justement les circuits un petit peu parallèles du côté de Dublin, saison 2. You, on va retrouver le Hongrois. Alors, je ne sais pas comment le prononcer, Youchile. Ouais, peut-être un petit peu à l'italienne, mais t'as ouais. Raison de le dire, effectivement, parce que quand on voit effectivement des joueurs comme je sais pas, Mike McDonald, Phil Ivey, avoir des bad beats, bon, ce sont des joueurs qui ont des dizaines et des dizaines de millions de dollars de gains. Là, on est sur des joueurs qui vivent leur one time, hein, qui vivent le tournoi de leur vie pour la plupart. Et les éliminations brutales le sont bah, encore plus quand on met tout ça en perspective. Ouais, tapis, As-Dame, on s'est fait attraper chez Zandviet avec As-9 suité le néerlandais. Alors ça reste une main de match, puisque j'ai l'impression que c'est le Hongrois qui est couvert. Oui, ouais, il reste des jetons hein, chez le néerlandais, donc celui qui tire la gueule, c'est celui qui a la meilleure main, c'est un petit peu classique hein, au poker. Ça ressemblait complètement à nos FPS, hein, les amis, le UKPT. Le tirage cœur maintenant, on va jouer tous les cœurs, tous les neufs. Ça, il transpire trop là. Tirer, il transpire beaucoup trop. Ça le saoule de voir ces deux cœurs, bien évidemment. Regardez le coulant tirer ici. On est déjà en train de pleurer, j'ai l'impression. Le 7, ça tape à côté. On veut pas voir de cœur, on veut pas voir de neuf, bien évidemment, les amis, à la river. Oh, c'est un 9, c'est l'une des pires. Et tout de suite, le serrage de paluche derrière qui arrive très vite et qui fait très mal. Regardez ça, il est en train de se manger son poing. Oh là là, c'est dur. Pour tirer, les amis, bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, bien évidemment. Et puis, on espère que ça ne vous arrivera pas. Ce dégagement de bouteille d'eau était magnifique. On vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, bye bye. Salut, salut, les amis.